Il y a une nécessité pour nous faire une deuxième dans moins que 8 jours. Pour qui ça? Tout d'abord, on connaît que l'espérance fait qu'on n'est que dans le pays. Hein? Mais il y a un criminel qui était recensé, qui était récupéré. Le criminel ça dit que même si le boss n'a pas souterrain, mais l'équipe là, là. C'est qui ça dit? Vendredi, il a fait conférence. Hein? Il y a un certain de Grégory Libérus qui est membre gang 4x4. Il n'est pas qu'il est devenu un point ça là, et puis il a filmé tout le monde qui a sorti dans la conférence là. Il a filmé machine, il a filmé Grégory Libérus, et puis il a pris un prétexte qu'il était en République Dominicaine. Par contre, il est entré pour la conférence là, mais il fait action ça devant vendredi. Nouveau message ça, bye CSPJ, DCPJ. Qui a une responsabilité dans le dossier ça. Parce que, à niveau de dossier ça va avancer là, Pierre Espérance rend compte que il n'y a pas de porte de sortie. Il a vu tout pour l'attaque, pour augmenter le panthéon crime. Donc, et dans ce sens, je dis à la un, nous dénoncer l'action de Grégory Libérus qui fait, qui est un ancien déporté. Qui filmait tout le monde qui a sorti dans la conférence là, et puis machine qui était devant. La première action qu'il fait. Deuxième bagarre à dénoncer. Pierre Espérance qui était payé, en pile monde dit, monsieur a renforcé tête lui, l'a cherché l'argent, l'a mis diable sous lui, l'a derrière force pour retourner sous béton en catastrophe. Donc, nous dit que Jean Vignan, c'est comme ça, nous, après ce voile. Donc, M. qui te paye, parce que DCPJ dans visiel, DCPJ sous ligne, ils font contourner DCPJ, ils qui te paye. Donc, et dans ce sens, comme il dit, il faut se chercher, et l'argent la chercher. Donc, qui complot, c'est fait? La marque. D'abord, monsieur retire toute caméra depuis on a fait ça longtemps devant la Calia. Il y a un plan pour le faire tirer sur le Calia, bouler le Calia pour créer une sorte de panique pour le montrer blanc li en situation difficile. Et par la suite, monsieur connaît que un ensemble de dossiers qui ont rapport avec procès n'a fait contre lien. Il y a un plan pour le faire entre minuit et 2h du matin pour cambrioler le local ça là. Puis il a cambriolé le calrose mon Jean. Et puis il a fait cadavre tout. Et puis le Sahara, cadavre ça, il a mis sous dos, nous, et pour dire, c'est moun PHTK. Il a tout pour dire c'est lui tout. Donc, heureusement, cette intelligence nous puissant, nous avons tant d'informations à temps, même Jean. Nous avons gagné information côté que il t'a fait embuscade sur nous dans Delma 40B. Donc c'est plan ça rien. Vin cambrioler local ça, fermer tes 10 feux et puis comme il pas dans pays derrière dos c'est dans Guinée parce que lui pas là, pas gen moun qui ca charger. Il n'a pas dit expérience. Même si tu as tué un ravette dans local là. On sourit ta mouri dans local là, tout ça a tombé sous responsabilité parce que moun ki dit nous ça la prêt pour témoigner les actions ça fait et là monsieur gen problème non parce que toute action malhonnête monsieur fait toujours gon gens pour nous connaître li. OK, donc c'est pas nous même qui te fait massacre Delma 32, c'est pas nous qui dénoncer li nous dit ça encore, c'est quatre moun qui la caille monsieur plus quatre autres moun yo arrêté qui n'en met DCPJ, plus ou moins, pour nous dire plus, qui n'a la police. Il y a 4 personnes qui sont en prison, il y a 3, il y a 4 autres qui témoignent, qui prennent maintenant pour témoigner par devant le tribunal. Donc ce n'est pas nous même qui faisons ça. Ce n'est pas nous d'accord pour faire crime. Vous avez choisi faire crime, ou avez choisi faire dossier, ou choisi faire rapport, il faut assumer la responsabilité. Donc, et non sans ça, nous même, je dis à la, nous dit Pierre Espérance, petit complot pour mettre des armes, pour mettre des drogues, pour mettre ensemble de bagailles, tirer sur le local, ça ou pas Kimbe. Ça qui est plus important pour nous, c'est venir par devant la justice pour le plaider, pour l'accuser nous,
si nous-mêmes nous coupables de ça. Vendredi encore, il y a une réunion qui fait dans DCPJ. Qui s'allie, c'est une organisation internationale qui compte financer Pierre Espérance. L'organisation à relais, c'est OIHRSW. OIHRSW. Ça, c'est non, non. C'est un gars qui en droit au monde. OIA, c'est organisation internationale. Reste à me pas songer. OK? Il est basé au Texas. Il est créé en 1988. Il est toujours avec Pierre Espérance. Il n'a pas jamais entendu de Pierre. Il est entré maintenant pour qu'il connaisse qui s'est gagné dans le dossier de Pierre Espérance. Donc, DCPJ fait de voile, il bat le dossier. Ça, quand même, dit que responsable organisation OIHRSW, c'est pas seulement nous t'ai dit ça déjà dans DCPJ pour aller, il faut aller dans la prison, il faut aller dans le tribunal pour lire le dossier et puis parler à moun qui dénonce Pierre Espérance. Nous allons écrire l'organisation ça et voyez Bali document à l'appui. Nous parlons de FIDA, tout, Fédération Internationale Droit Monde, pour nous faire connaître que M. Sacré de Pierre Espérance, mais activité malhonnête l'a fait avec l'argent que Yubali pour faire ça qui a revoir avec activité Droit Monde. Au lieu d'utiliser comme ça pour faire le droit, pour faire des choses qui sont bonnes, et comme ça, on les prend, l'a installé gang dans quatre coins du pays. Et qui conduit à un ensemble de dérives, et je vous dis à la, dans la tête pas, il pense que c'est nous-mêmes qui persécutons. Mais mes amis, si directeur, monsieur Lecomte, qui est responsable de CPJ, pourquoi mettre rapport ça d'ailleurs, donc c'est l'autre bagaille à chercher toujours. Et il y a tout indice, toute information probant que Pierre Espérance n'a alimenté gang, n'a fait kidnapping, et qui conduit à la mort de journalistes. Dernier rapport me tendre sur journaliste pendant l'année 2022, il y a une dizaine qui mourit. Maintenant, dizaine dans Pierre Espérance, il y a deux là-dedans. Deux dixièmes, mesdames et messieurs. Donc, un cinquième de monde qui mourit, il y a sous compte Pierre Espérance. Donc, il y a deux dixièmes dans monde qui mourit, dans 10 journalistes, il y a victimes de Pierre Espérance. Nous-mêmes, ça nous dit là, et ça nous tout dit Pierre Espérance. Il y a bien fait, il y a coquin. Si vous sentez que je dis un bagage qui passe ça, voyez-moi d'abord, moi, sous même. À la rue Savem, je viens avec document PAM, ou je viens avec document PAM parce que c'est pire. Je vais passer au fil d'argent, et comme commissaire gouvernement, comme juge. Ouais, ça n'a pas qu'un peu encore après 20 ans. Masse la levée, population, la justice, la police, qui ont détruit presque, ils ont en bas. Donc, celle qui a pour faire, c'est pour être tout fini. Et puis, gros, bagaille, nous connaissons que, nous vous dit que Pierre Espérance, c'est une qui fait plus gros kidnapping dans le pays. Kidnapping pour qui ça? Parce que, cher son salon, kidnappé par Pierre Espérance, Marie Olengil, nous étions des avocats, Madame Auguste du Sénat, chauffeur monsieur, yon ben yon baron juge, Pierre Espérance voit monsieur dans la prison, là où elle est dans prison, pour dire, sous pas d'accord sorti qu'il a eu, pas jamais lagué. Fait un notaire, a signé car un notaire. Et ça, plus intéressant, qui moun qui baille cher son salon avocat, Pierre Espérance? Qui moun qui fait appel sous dossier pour cher son salon, Pierre Espérance? Mes amis, ça, au clair, mes amis. Bon, qui s'attire Pierre pas venir expliquer là? Donc, et nous te voyons que ordonnance Chelson a volé, il a volé lui pour qui ça? Parce que les Chelson paraît devant la justice. Mario Lengil, je ne te vois avocat expliquer là, qui c'est même associé à son malfaiteur, Pierre Espérance, Madame du Sénat, il a dû paraître tout, il a dû paraître. C'est pour ça seulement, il n'y a pas vu Chelson juger. Parce que si Chelson est devant le juge, il a même tout, il a paraît. Donc, dans ce sens, nous dit que Pierre Espérance et tout le monde qui est impliqué dans le dossier ça, tout le monde qui est dans le gang 4x4, pas besoin de faire une tractation, de tirer sur le monde, de cambrioler le local, de tirer dans le local Rosemont, de tirer là, faire l'autre action, de filmer Grégory Libéry, qui est un membre kidnappeur, de filmer. Donc, nous dit que DCPJ, M. Lecomte, assume responsabilité dans le dossier ça. Et nous, clair, nous dit que si nous-mêmes, nous coupables de tout ça, nous disons, il faut la justice punir nous. Donc, si Pierre Espérance n'est pas d'accord pour lui donner la justice, il a choisi côté le juge. Il a cherché l'argent, il a mis de force sous lui, il a attendu, et nous avons l'autre chemin avec lui, c'est le chemin de la justice. Il y a un proverbe qui dit pas de citadelle imprenable, il y a des stratégies mal adaptées. Il n'y a pas de monde qui est puissant. Et il y a un autre qui dit encore il y a un fruit tombé dans le mur,
mais sous coup ouragan et tempête, quel mi, quel parmi l'a tombé. Donc ça veut dire que bataille ça n'a mené là, son bataille n'a mené au nom de la loi, au nom du droit et la moralité. Donc citoyen qui a réfléchi. L'église a son monde qui est victime, effectivement, ça veut dire qu'il y a une raison. Gon moun ki li gon problème avec Pierre Espérance. Là, il contacte 4 avocats, tout courir, oui. Il dit, moi-même, Pierre Espérance. Donc, il dit, il y a un mythe qui entoure, monsieur. Il y a tout un mythe qui enveloppe, monsieur. Mais venez vous dire là, nous dit que, nous avons, ouais, nous avons tout certificat plein tout là. Beaucoup présenter, bah non, prochaine fois, nous présenter. Tout certificat plein tout là, dossier après devant le tribunal, et nous avons une attitude commissaire gouvernement qui a gagné. Donc, la justice a fait chemin et nous continuons à dossier et nous ne pas faire back.